Aujourd'hui, je vous présente cette gauge. Alors, je l'ai achetée, très bonne qualité, c'est en métal, c'est solide. Et dedans, donc, on a plein de pas de vis et des vis qui sortent. Par exemple, là, j'ai un boulon. Il m'en faut plusieurs comme celui-là, mais je suis pas sûr de la taille. Là, je le teste. Donc, je pense peut-être c'est celui-là. Non, ça va pas. Je regarde là. Ouais, c'est parfait. Donc là, je suis sûr que ce boulon, ça va être du 5-16 en UNF. Très très pratique ce genre de produit. Et là, j'en ai une autre là. C'est celle-là. Ça, c'est du UNF, je pense aussi. Voilà. 3-8 UNF. Tu sais tout de suite quelle vis c'est. Et si tu as besoin de les changer, après tu as juste à mesurer la taille, tu passes une petite commande de la vis sans te tromper. Très pratique ça. Pour ceux qui bricolent, je le conseille fortement. Et alors tu as même la petite le moyen de mesurer là. Là ici, quand vous regardez là, c'est en impérial, c'est en inch. Et ici, c'est en centimètre. Donc tu regardes combien a fait le pas de vis. Là il fait 1 inch, 1 pouce. Magnifique. Très bon achat ça.